Semaine de prière 2016. Tous missionnaires. Mot du président de l'Église Adventiste du 7e jour, Ted N.C. Wilson. Le mandat évangélique est l'un des passages les plus connus de la Bible. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Dans ce mandat, le Christ exhorte ses disciples à devenir des missionnaires et à porter l'évangile au monde entier. Mais cet ordre, donné il y a 2000 ans, est-il toujours d'actualité? Quelle est notre mission? Dans notre culture postmoderne, qu'est-ce que le rôle de missionnaire implique? À l'occasion de cette semaine de prière spéciale, nous nous focaliserons sur la mission. Chaque jour présentera un nouvel aspect de cet important sujet. En quoi consiste la mission de Dieu? De quelle façon chacun d'entre nous peut-il être un missionnaire? Nous examinerons ce que signifie rencontrer Jésus et être missionnaire avec lui. L'amour pour Dieu et pour nos semblables est le fondement même de la mission. Au cours de la semaine, nous aborderons également deux sujets importants. La conviction de ce que nous croyons et l'intégration des nouveaux croyants au sein de la communauté de foi. Enfin, nous plongerons nos regards dans l'avenir, dans ce temps où la mission sera accomplie. Ne manquez pas un seul jour de ces lectures inspirées, édifiantes, fondées sur la Bible. Je vous invite à vous joindre à moi, tandis que dans un esprit de prière, nous considérons ces importants sujets. Qui que vous soyez, où que vous habitiez, ou quoi que vous fassiez, engagez-vous à être missionnaire pour Jésus. Puisse le Seigneur nous bénir alors qu'en tant que famille de l'Église mondiale, nous nous réunissons pour étudier et prier en cette semaine de prière spéciale. Amen. Sa force généreuse, illuminant l'obscurité.